chapitre 32. Ceci te doit être remis par un abbé de mes amis, homme de bien, quoique d'église, plein d'honneur, de foi, de franchise. En lui, les dieux n'ont rien omis pour en faire un abbé de mise. Même Phébus le favorise. Mais dans son cœur, Vénus a mis un petit grain de gaillardise. Or, c'est un point qui scandalise son curé, plus gaillard que lui, qui dès longtemps le tyrannise et nouvellement aujourd'hui, dans un placard, le tympanise. Sur cela, mon abbé prend feu, lui fait un bon procès de Dieu, le gagne, appelle. Or, c'est dans peu qu'on doit chez vous juger l'affaire. Or, puissant est notre adversaire, le terrassé n'est pas un jeu. Tu dois m'entendre, et moi me taire. Car c'est trop longtemps tutoyé, du parlement un conseiller. Ma muse un peu trop familière pourrait à la fin l'ennuyer, peut-être même lui déplaire. Qu'il sache pourtant qu'à citer, l'amitié, l'amour et leur mère parlent toujours sans compliment. Qu'avec Hortense, ma tendresse, n'en use jamais autrement. Et j'estime autant ma maîtresse qu'un conseiller au parlement.